aujourd'hui on a acheté un chat à la SPA. Regardez-moi ce chat, trop mignon. Vas-y, regardez. Punaise, le chat est parti. Mais là, en attendant, on a perdu un chat. Je pense que c'est quelqu'un qui l'a pris. C'est quelqu'un qui nous a reconnus dans la rue et qui a pris notre chat. C'est quoi ça? Salut! Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage! Salut à tous les amis! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de faire. Parce qu'aujourd'hui, Stéphane, qu'est-ce qu'on a fait? Alors aujourd'hui, on a acheté un chat à la SPA. Donc la SPA, c'est l'association qui recueille les animaux. Donc il est dans le coffre, ouais, ne vous inquiétez pas. C'est la SPA qui nous a recommandé de faire ça. Elles nous ont dit de faire ça pour pas qu'ils détruisent les sièges de la voiture. Et du coup, on va vous montrer une photo, mais surtout, on va aller le chercher. Alors, parce qu'il est trop chou. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes, parce que d'habitude, avec nous, dans nos vidéos, il y a... Regardez-moi ce chat, trop mignon. Regardez. Oh, voilà. Donc là, on va mignon. Aller le chercher dans le coffre. Vous êtes prêts, les amis? Ouais. Alors, allez, c'est parti. Allez, il est dans un carton. Ah, j'espère qu'il va bien et tout. Allez, on l'ouvre. Allez. Vas-y, ouvre le coffre. Vas-y, regardez. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Mais il est plus là. Il est où? Comment ça se fait? Punaise, le chat est parti. Il est où le chat? Attends, il est vraiment plus dans le carton et tout. Attends. Attends, il faut fouiller le coffre, là, c'est pas possible, il était là. Attends, viens, on va dans la voiture. C'est pas normal, ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, mais il a pas pu s'enfuir. Attends, Lyrose, rentre. Ok, vas-y. Regarde dans le sac et tout. Bon, alors, les amis, surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo et mettre en commentaire hashtag chat. Non, mais là, on va devoir aller le chercher, Lyrose. Mais on sait pas où il est. C'est pas possible. Mais regardez, on regarde partout, y'a rien. Attends, y'a rien en dessous et tout. Mais comment on va faire, les amis? Dites-nous en commentaire. Non, mais c'est à dire surtout que. Il s'est échappé lorsqu'on l'a mis dans le coffre. On a sorti un chat de l'ESPA et on l'a perdu. Non. Tu te rends compte? Mais purée, alors là c'est n'importe. Non mais on doit le retrouver, Lyrose. Alors surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir si on le retrouve. Parce que là on est très, trop inquiet. C'est important vraiment, les alors, amis, j'ai trop peur. Comment tu l'avais appelé déjà, le chat? Je sais plus. Ah bah tu sais plus, mais en même temps on lui avait pas donné un nom précis. Pour l'instant on voulait vous le montrer, on voulait vous demander un nom et tout. Mais il est pas en dessous des pédales et tout. Bah, attends, regarde. Bon, allez, donc là on va entrer dans la maison, on va essayer de faire une enquête, d'accord? Pour déterminer qu'est-ce qu'on va faire. La peur c'est qu'on lui avait acheté un petit panier des Ouais, attends, j'ai une idée. Et si on retournait à l'endroit de la SPA pour voir s'il est là-bas? Ça tombe, il est dans la rue. Ouais, on va faire ça. Allez, c'est parti. Déjà, on l'a perdu. Ouais, on l'a perdu parce que là c'est trop inquiétant. Allez, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va y aller et à tout de suite. Donc là voilà, donc on est dans la rue de la SPA, on est juste à côté. Et alors regardez ce que j'ai donné à Lily Rose. Donc on avait acheté des petites croquettes pour les donner aux chats de notre rue. Ouais. Non mais moi je pense que c'est mort, on va jamais le retrouver à tous les coups. Bah oui, on va jamais le retrouver. Donc moi je prends ça et on va essayer de le rechercher, on se retrouve à la maison. Peut-être avec le chat, peut-être avec rien. Attends, allez, à tout de suite. Allez Lily Rose, rentre. Non mais là c'est n'importe quoi les amis, on a... On a cherché partout dans le quartier de la SPA. On n'est pas allé les voir par contre. Le pire c'est que la SPA nous a envoyé un message. Non, ils nous ont envoyé un message en disant est-ce que ça se passe bien et tout. Mais on n'ose pas répondre parce que ça s'est mal passé. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir le site de la SPA en description, parce qu'ils font des choses trop bien pour les animaux. Ils prennent soin des animaux. Ils recueillent les animaux abandonnés et tout. Surtout n'abandonnez pas aux animaux, c'est n'importe quoi. Mais là en attendant on a perdu un chat. Et on l'a perdu en entier, enfin en entier, on peut pas perdre la moitié d'un chat. Mais j'ai... Quoi? Quoi? Lily Rose, bah j'ai mon idée là, je suis... Non mais qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, tu l'as retrouvé ou pas? Bah non, j'ai cherché partout dans la rue. Oui, bien sûr. Mais j'ai une idée, je pense que le chat a eu peur. Oui. Hein, c'était un petit chat, c'était un tout petit chat. Oui, mais oui, il était dans un carton surtout. Comment il a pu partir? Ce qu'il a dû faire? Allez, il a dû sauter du carton. Il a dû sauter du carton et puis se faufiler et aller retourner à son chalet. C'est pas possible. Un petit chat comme ça, mais on était tout près du chalet. Non. Voilà, on a mis le chat dans le coffre et ensuite on a. En plus, on a fermé le carton. Voilà, on a laissé des trous pour qu'il respire. Il pouvait pas passer par les trous, c'est sûr. On nous a dit de faire ça. Mais au moment, je sais pas, il y a eu un moment où il est sorti de la caisse. Bah non, il est pas sorti. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui l'a pris. Parce que quand on est... Ah, je sais, quand on a cherché de l'essence, là... Oui. On l'a laissé dans le coffre, et la voiture était ouverte. Ça tombe, c'est quelqu'un qui s'est faufilé derrière, et qui a pris le chat. Pourquoi pas? Ça tombe, c'est quelqu'un qui nous l'a pris, qui nous l'a volé et tout. Qu'est-ce que t'en penses, Lily Rose? Mais non! Tu crois que c'est possible? Moi, je pense qu'on devrait appeler la SPA pour savoir s'il est là-bas. Ouais. Comme ça, on saura s'il est là-bas. Je pense que... Ça tombe, il est retourné. J'espère pas, parce que là, vraiment, ce serait vraiment nul. Bah si, c'est bien. Et cette personne qui a fait ça, j'ai
non, mais déteste, s'il est retourné à la SPA, c'est bien parce que ça veut dire qu'on va le retrouver. Mais oui, si oui, c'est oui, quelqu'un oui. qui l'a pris, c'est totalement. S'il est retourné à la SPA, oui, ce serait bien. Ouais, ils vont plus nous faire confiance à la SPA. Ouais, ouais. On a perdu un chat, alors. Ouais, ouais, c'est n'importe quoi. Donc, surtout, allez, regardez bien jusqu'à la fin pour savoir si on va retrouver le chat. Donc là, on y va. Je vais appeler la SPA et on se retrouve tout de suite. Et surtout, si la SPA l'a pas, on va aller voir la personne qui l'a volé. On va essayer de le retrouver, d'accord? On va essayer de le retrouver. D'ailleurs, on lui avait donné un nom, il s'appelait Donatienne. Elle s'appelait Donatienne. Voilà. Donc allez, à tout de suite, on se retrouve tout de suite pour la SPA. Eh oui, d'accord. Attends. Eh, les enfants, écoutez. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je viens d'appeler la SPA et non, ils l'ont pas retrouvé. Ils l'ont pas retrouvé? Non, ils ont regardé. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a volé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont garder à l'extérieur ou tout autour. Non, mais on l'a fait. Dis-leur que ça sert à rien, ils vont pas perdre du temps. Oui, je leur ai dit, mais ils vont le refaire ce soir. Parce que non, mais c'est n'importe quoi. Le chat, il va sentir d'où il vient. Non, mais là, c'est pas possible. Moi, je pense qu'on l'a vraiment perdu et que c'est quelqu'un qui l'a volé. Surtout qu'on s'est arrêté à la station service d'essence. C'est quand même bizarre. Non, on devrait. On l'aurait vu quand même à la station. Je sais ce qu'on va faire. Ah, si. Si. Bah, alors, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous vole des trucs, normalement, il nous donne un mot ou un commentaire ou quoi. D'accord? Donc on va attendre. Ça tombe, c'est dans les commentaires d'une vidéo. Ah oui, vas-y, regarde sur le téléphone. Attends, regarde sur le téléphone. Genre, j'espère que c'est ça et qu'on va pouvoir le retrouver. Vas-y. Attends, je regarde. Allez. Tous les commentaires. Allez, dépêche-toi. Vite, on n'a pas le temps. Je trouve pas. Que tu vois. Attends, bah regarde. Mais si, c'est là, regarde. J'ai pris votre chat, il était à la station service. Donnez-moi une vidéo dans la bulle magique et je rendrai votre chat. Faut absolument donner une vidéo dans la bulle magique. Mais non, Lirose, on peut pas faire ça. Ça veut dire que c'est un abonné qui a pris le chat. Mais c'est quelqu'un qui nous a reconnus dans la rue et qui a pris notre chat. Il faut le retrouver. Moi, je vais appeler cet abonné. De toute façon, bon, il est en sûreté. On sait pas où il est. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Bah oui, ça tombe l'abonné, je sais pas, il va le manger ou je sais pas quoi. Bah ouais, ça tombe, c'est juste quelqu'un qui nous a reconnu et tout. De toute manière, je l'aime pas cet abonné. Bah voilà, bah moi non plus, parce qu'il a pris notre chat. Bah oui, donc là, je vais lui répondre et je vais dire qu'on va pas le mettre dans la bulle magique. Oui. Parce qu'il faut être gentil et pour passer dans la bulle. On va prévenir la police. On va faire semblant de dire d'être d'accord avec lui. Une fois qu'il nous l'a donné, hop, on le met pas dans la bulle magique. Ah, j'ai une idée, on lui donne rendez-vous et on prend le carton avec le chat. Ah ouais, bonne idée, check. Allez, on fait ça. Donc on va au rendez-vous, on lui donne rendez-vous et on se retrouve tout de suite pour le rendez-vous. Non mais c'est pas drôle là, on va pas le retrouver. Allez, tout de suite. C'est vrai. Alors, je suis déguisé en souris. Ouais, il s'est déguisé en souris. Donc là, on nous a donné rendez-vous ici. Donc c'est une espèce de parc. En plus, c'est loin de chez nous. Attends. T'entends ou pas? Ah oui. Il y a des miaulements. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Attendez, chut. On entend des miaulements dans ça. Y'a un truc dedans, Lily Rose. Y'a un truc dedans, c'est quoi? Ah, mais c'est. Y'a pas de chat! C'est le téléphone! C'est une vidéo de chat! C'est un téléphone! Non, mais regardez, y'a rien dans la boîte! Attends, mais on nous a eu encore une fois! Comment on va faire? Voilà, donc là, on va faire le bilan de l'histoire. Alors, Lily Rose est vraiment dégoûtée. Bah oui, on n'a pas trouvé le chat! On a toujours pas trouvé le chat. Résultat, ce qu'on a gagné, c'est une boîte Pampers. En plus, c'est la même qu'on avait mis dans la voiture. Donc ça veut dire que la personne nous espionnait, elle nous regardait. Et aussi un téléphone qui est en fait mon téléphone que j'avais perdu. Donc c'est la personne qui l'avait pris aussi. Comment on l'a pu... On a pu le perdre, hein. Mais je sais pas comment on l'a perdu. Moi je sais pas comment on a fait. Je suis sûr que c'est de ta faute encore une fois. Non, c'est de ta faute. Oui, parce que t'as pas laissé le chat. T'as pas surveillé le chat pendant qu'on allait chercher l'essence. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon allez, donc là on va essayer de le retrouver pour une prochaine vidéo. En attendant, bah voilà, je sais pas ce qu'on va faire. Je pense qu'on va passer à la bulle magique, les amis. Surtout, regardez si votre nom passe. Et s'il passe pas, bah mettez votre nom en commentaire. Et à tout de suite. En tout cas, vous êtes nombreux. Donc voilà, nous allons passer à la bulle magique. Donc merci beaucoup à Maëline, aux deux sœurs, Elisa et Maëlys, à Anaël, à Eloane, à Serpil et à Liliane. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Bye bye.